J'ai vu au Hall de Scarabée qu'une pièce mise en scène par Thierry Salmon, Les Troyennes d'Euripide, en grec ancien. Cela m'a beaucoup et profondément marqué dans ma vie artistiquement. Voilà que 30 ans après, j'ai invité trois comédiennes qui ont été dans cette pièce, ainsi que des icônes de la danse contemporaine belge dans les années 90. La pièce est pleine de chants de Giovanna Marini, de chants grecs anciens qui ont été composés pour Thierry Salmon à l'époque. Évidemment, je prends le sujet pour en parler d'un autre qui est l'exil. C'est un peu l'exil de ces femmes qui perdent leur rang d'hiérarchie en étant des princesses et des reines et qui vont être des esclaves en ailleurs, servir à d'autres hommes. Mais c'est aussi l'histoire de l'exil artistique de chacun de nous. Tout se passe dans les loges, elles vont se préparer au long de presque 2 heures. Et là, elles vont faire la dernière représentation des Troyennes d'Euripide. Elles se préparent, elles se disent au revoir. Et c'est un peu la tragédie justement du fait de se quitter, du fait de ne pas pouvoir faire son métier, d'être à la dérive à un moment donné de tout ce qui se passe autour d'elle, autour du monde. Les Troyennes, c'est un appel à une réflexion sur la guerre, mais sur l'amour et sur l'exil artistique.